Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mika Galvão, champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien, et de Diogo Reis, champion de la DCC, moins de 66 kilos. Alors, on prépare un camp d'entraînement pour le mois de février qui aura lieu à Paris, juste après les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien. Ils seront là avec d'autres membres de leur équipe. Et aujourd'hui, je leur ai demandé de nous montrer quelques techniques. Alors, je ne sais pas si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Mais Diogo Reis a publié aujourd'hui une vidéo où il m'a mis deux petites balayettes de cours de récréation. Donc, il va nous montrer ça aujourd'hui. Et puis, Mika, il va nous montrer une clé de bras qu'il aime beaucoup mettre à partir de la garde et que j'aime beaucoup. On va essayer de voir quelques détails. OK, on va essayer d'aller vite. On va essayer de voir quand même beaucoup de détails. Mais voilà, on va essayer de faire une vidéo assez rapide quand même. Let's go. Who begin? Diogo. Diogo? Bonjour, my friends from France. I love you guys. I love football. I love Benzema. No Mbappé. No Mbappé. Mbappé. We love Benzema and Mbappé. So, English or Portuguese? Portuguese. Portuguese. Je vais traduire, ok, vous inquiétez pas. Vou mostrar aqui o foot sweep, né? Ok. Que é a barredura. Il va montrer la balayette, là, la balayette d'enfant de 6 ans. Primeira coisa para que o foot sweep fonctionne. La première chose pour que ça fonctionne, le balayage, là, la balayette. Eu tenho que fazer o kuzushi, que no judô se chama traduzindo desequilíbrio. Donc il va devoir faire, il va devoir créer un déséquilibre que ils disent au Japon kuzushi. Os. Se eu estiver aqui com ele, tentar pegar o pé dele, vai ser difícil porque o pé dele tá plantado no tatame. Donc si jamais il essaye de venir me balayer par l'intérieur le pied qui est devant, normalement sans créer des équilibres, le pied va être bien fixé au sol, ça va être difficile pour lui. Ce qu'il aime bien faire, c'est de venir chercher le col en taille ici. Donc il va venir chercher ici le triceps. Il va venir me pousser avec ce bras-là et tirer avec ce bras-là. Só o que eu faço, eu trago ele pra mim e ao mesmo tempo empurro. O que eu vou fazer agora, eu quero que o pé dele venha, ó. Nesse momento o pé dele vem, ó, é na hora de eu pegar o hook, ó. Trouxe, bato. Detalhe aqui, ó, é de eu fazer um gancho, realmente um gancho. Là, le détail, c'est de faire comme un crochet avec le pied, d'accord? Bon, là, c'était un peu difficile de montrer en même temps qu'il explique. Mais c'est vraiment, je sens qu'il me pousse. En fait, j'ai envie d'avancer, mais je peux pas. Et donc, il y a mon pied quand même qui avance. Et mon pied, il est léger, il va pouvoir me faucher facilement. Ok. Ok, cool. Donc, passe pas trop, pour que la perne, il vienne de la frente. Il va venir reculer pour que mon pied, il vienne devant. En ce moment. Et c'est à ce moment-là où je bato. Qui va venir me faucher. Et au même temps, je fais le cotovelo. Et au. En même temps, il va venir fermer mon coude et pousser ma tête là-bas. Note que o equilíbrio dele tá todo aqui, ó. Mon équilibre est tout sur ma tête. Yeah. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Note que quando eu jogo a cabeça dele pro lado, o peso dele tá aqui, ó, na perna. Et donc là, quand il va m'envoyer sur le côté, le poids il est sur ma jambe. Então, quando tá aqui, trouxe. Fazer melhor, fazer melhor. Yeah. On va le refaire bien. Ó. Ah, il faut s'étendre. Já orienta no chão. Para já chegar numa posição boa. Un détail intéressant, regardez bien. Quand on arrive au sol, il arrive déjà dans une position où il est à l'aise pour déjà prendre une demi-garde forte. D'accord? Pour éviter d'arriver dans la garde. Calma, deixa eu. Vem cá, Mika. É, mesma coisa no kimono. Ah, c'est la même chose en kimono. Aqui na cabeça, seguro na gola. Donc, au lieu d'avoir la main sur la nuque, il va chercher le kimono. Et le cotovelo. Il va chercher le coude. Note que je fais la même chose, empurro et trago ele pra mim. Et donc là, vous avez vu, il vient tirer, pousser. Si fosse aqui, même chose. La même chose qu'ici. Então, eu dou un passo pro lado, para que a perna dele venha. Il va venir reculer sa jambe gauche, vous avez vu, du côté où il tire. Et regardez comment il arrive déjà. En fait, on le sent. Ah non, fais. Au moment où il ramène au sol, vous avez vu, il oriente déjà son adversaire pour déjà bien se placer et être en demi-garde. Ça, c'est intéressant.
Et c'est un truc qu'il a expliqué aujourd'hui pour Belgique Fanatics. C'est le fait de déjà penser à quand on va arriver au sol et pas juste je ramène au sol et puis on verra bien ce qui se passe. Toutes ces actions pour ramener au sol, toutes ces projections, il les fait déjà pour arriver dans une bonne situation. Ok. Encore une fois. Du nouveau. Et regardez, il arrive déjà bien. Donc je suis déjà, j'ai déjà un train de retard, je vais devoir défendre, mais il est déjà bien en contrôle ici. Muito bom. Boss, obrigado. Et maintenant c'est l'heure de la clé de bras avec notre ami Mika Galvão. S'il vous plaît, monsieur. Guarda fechada. Ah non, English or Portuguese? English. English? Okay. Yes. So let's go from close guard. Yeah, actually I'm gonna be starting standing here. Okay. On a situation that's like very common actually. Some people they sometimes get a little afraid of having an underhook on the fight. Me? Like, yeah, you okay. Have an underhook in the fight. Okay. They're afraid of it. Donc alors, généralement les gens, ses adversaires, ils ont peur d'aller chercher le underhook donc sous ses bras. I actually love it because here it exposes the arm a lot for me. Et lui, c'est ce qu'il aime parce que c'est ce qui va exposer beaucoup le bras pour attaquer. So what I like to do is when someone starts getting my underhook. Here what ah, I Ah OK. I understand now. En fait, ce qu'il dit, c'est que il veut pas que c'est la plupart des gens, ils ont peur que l'adversaire prenne le underhook. Sauf que lui, c'est ce qu'il cherche et c'est ce qu'il veut. Il veut, lui, il s'en fout justement. Il préfère que le mec vienne le ceinturer ou gagne le underhook pour pouvoir attaquer le bras. So normally, when he has the underhook and we're on gi or no gi, if he has one arm, he's gonna try to look for the other one. So I always look for that other arm coming. Et donc c'est là où il va faire, il faut, lui ce qu'il veut pas par contre c'est que j'arrive à le ceinturer ici. D'accord, donc il va faire attention avec sa main, défendre ça. So before this other arm comes, I'm gonna be defending here. And then what I'm gonna start looking for is that I want to go and create the angle to get his arm. How I'm gonna do that, my head is going down here. Donc là il a besoin de l'angle pour venir attaquer mon bras et c'est pour ça qu'il va venir chercher là, on va voir ce qu'il va faire. Okay, so before I do that, you gotta pay attention to a few things. If you're on a competition, you don't need to worry about it. But if you're training, you gotta pay attention so you don't hurt your partner's knee. Donc en compétition, peu importe, mais à l'entraînement, faire attention sur ce mouvement qu'il va montrer pour pas blesser le genou de l'adversaire. Ce serait okay. Bien quand même. So the way I love to do it, it's very simple. One, my leg is going on this side here, and then I'm gonna spin him to the other side. It's flying armbar? Nope. Okay. So it's really simple. He has the arm here. He already got it. It's really tight. So I'm gonna make sure my elbow it goes around his arm. I have this. If we have a gi, I'm gonna be grabbing like a lapel here. But if it's no gi, there's no problem either. So what I'm gonna okay. Do? I'm gonna do like a flower sweep. Donc vous avez vu, moi je suis bien, j'ai un bon contrôle. Mais lui, pour que mon contrôle soit pas non plus trop fort, il va venir ici fermer avec son coude. Si j'ai le kimono, il vient attraper le kimono. S'il n'y a pas de kimono, c'est pas grave. Il laisse la main comme ça. So what are we gonna do? It's very simple. I'm gonna step my leg in. I'm gonna move him to the other way. And then I'm gonna have the arm here. It's not actually an arm bar that you're gonna think, oh, I'm gonna pass my leg over the arm. No, you don't need to. Right now we're gonna do kind of like a mirror lock. A what? A mirror lock. Mirror lock? Frank Mir. Okay. Ah, Frank Mir, okay. Yeah, mirror lock. Okay. Donc d'ici il va essayer. Vous avez vu, il est parti sur la clé de bras, mais contrairement à ce qui se fait d'habitude, il n'a pas cherché à passer cette jambe-là par-dessus la tête pour l'instant. Il est arrivé ici, mais là, mon bras, il est complètement bloqué, il est contrôlé, et il va chercher à faire ce qu'on appelle la Frank Mir, la clé de bras de Frank Mir. Yep. So what we're gonna do now, we're gonna just pull his elbow towards me at the same time that I'm gonna put my weight on top of his arm. And he's gonna start feeling a little pain. And then, to prevent him from coming on top, try to come on top. I'm gonna keep my leg stretched here okay. On top of his belly. Donc là, on voit pas peut-être, mais il met déjà de la pression en fait, comme s'il voulait me couper vraiment le triceps. Ça, c'est un truc à chaque fois que je tourne avec lui, c'est un truc que j'ai jamais senti. Il va vraiment chercher à couper le triceps là avec son avant-bras, remonter le plus haut possible. Et puis là, du coup, dans ce cas-là, c'est
venir mettre la pression avec la jambe sur le ventre pour que j'arrive pas à remonter. Là, je peux pas remonter. En plus, mon coude, il est déjà un peu tourné dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez. Ici, je suis pas ici, d'accord? Il cherche à vraiment... Quand il va mettre la pression, mon coude, il va se mettre dans une position pour que je sois à l'envers, là. Du coup, la sortie, ça serait de partir par là-bas, mais je peux pas parce qu'il me bloque ici. C'est à peu près ça. So what we're gonna do now is I'm gonna use my top hand to pull his arm and then I'm gonna try to be a little bit on my side, facing like my back. And then he's gonna be tapping. Donc ici, vous avez vu, il met la pression. And what do? You try to lay down? Yes. Donc try là, d'ici, il essaie juste de... En fait, il serre fort là, sur mon bras, et il essaie juste d'aller reculer. Vous avez vu? Et regardez en haut. Really nice. Yep. So once again. I don't know. It's really simple. Normally, you're fighting here with someone, and sometimes they have a judo background, so they try to do sometimes a goshi or some other takedown, and they try to get here. Or if you're doing no-gi, they want to do like kind of like a body lock to get you on the ground. So before they get both arms, you prevent it. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est généralement, les adversaires vont chercher à faire ou du judo ou comme on lutte, c'est de venir chercher soit comme en judo ici pour venir ramener au sol, soit en lutte, on va venir ceinturer. Okay? Et lui, ce qu'il veut, c'est surtout bah, pas se faire ceinturer, il va laisser un bras rentrer, mais il va pas laisser l'autre venir se joindre. Donc, right. So he comes. He's gonna start getting. Before he comes towards you, hip goes back, arms protect. Donc là, voilà, il a le bassin loin et il vient protéger pour que j'arrive pas à joindre mes deux mains. Mm-hmm. Now what you're gonna do? Elbows locked. If I have the gi, grab. Donc s'il y a le kimono, protect. Il essaie d'attraper. S'il y a pas le kimono, c'est pas grave. Il met le bras le plus haut possible. Now I'm going with my head down. My leg goes to the hip and I'm gonna flip him to the other side. Donc là, il va balancer sa jambe, s'allonger, enfin, on va voir. Right. Very simple. You okay? Yeah. I heard it pop. No, it's okay. It's okay. So, same thing. I release a little bit of pressure, a little bit if I was scared. So, same thing. Ce qui est vraiment intéressant sur cette technique, c'est que tout le monde peut la faire là. Et c'est un mouvement, et c'est pas... un mouvement logique auquel on s'attend quand il va faire la, quand il va s'allonger en fait. C'est pas comme les autres clés de bras, on sent vraiment partir et on est obligé de partir. C'est vraiment intéressant. Now, remember what I said. I'm going to apply the pressure with my top part of the body on his arm while I'm going to pull his elbow inside like this. C'est ça que je disais tout à l'heure. Vous avez vu, c'est ça qu'il cherche à faire. Mon bras, il est pas comme ça. Here, no pressure. Il cherche à tourner mon bras. The pressure. So we're going, I'm gonna use my hand to pull it, stretch, and then arm, he's gonna tap. And if the guy is very flexible, I'm not very flexible with my shoulder, but mm-hmm. if the guy is very flexible, you success to submit everybody like this, or so, most of the people, people don't, no, hardly, I don't know. Hardly ever I find someone that can resist this, mm-hmm. but when there's someone that resists, what they do is to face that way. Okay. And then good. I go with the arm. And then from here, if he resists. Ouais, okay. Ouais, ce que je lui ai demandé, je suis pas très souple des épaules. Du coup, je vais taper assez facilement. Et en fait, j'ai l'impression juste que si quelqu'un est très souple, il peut s'organiser. Et ce qu'il disait, c'est bon. La plupart des gens, ils tapent. Mais si la personne, elle tape pas, en général, c'est qu'il se tourne là-bas. Et en fait, quand je me tourne là-bas, je libère son autre jambe. Ça, c'est intéressant. Et donc lui, ça lui permet de venir partir sur la clé de bras et là c'est fini. Thank you very much, my friends. Je rappelle qu'en entraînement avec Diogo Reis, Mika Galvo, Fabricio André, le papa de Mika et tout ça, ils vont être là sur Paris, ça va être top pendant 2 semaines. Quand l'entraînement NR Fight et des stages en Allemagne, dans l'Est de la France, etc., on vous tient au courant. N'hésitez pas à vous inscrire, contactez-moi et puis see you soon in Paris. See you soon in Paris, French. We're gonna see the Champions League. Au revoir, we're gonna see bientôt. The Paris Saint-Germain. Love you, Neymar. Merci, Mbappé. Benzema. Os.